Bonjour et bienvenue dans Ghost Adventure. Aujourd'hui, nous sommes au manoir River Lodge. De 1850 à 1910, il y a eu environ 60 meurtres commis dans ces murs. Bonjour. Oui, il se passe plein de choses étranges dans ce manoir. J'ai vu une silhouette d'un homme. J'ai très bien pu distinguer que c'était un soldat de la guerre de sécession. Avec mon équipe, on va s'enfermer toute la nuit dans ce manoir et essayer de filmer des événements paranormaux. Voilà, on est enfermé, notre quête peut commencer. Oh stop, vous avez entendu là? Oh mon dieu, cela fait à peine quelques secondes que nous sommes ici et on entend déjà des bruits étranges. La nuit va être longue. Vous sentez la température qui vient de baisser? Oh, vous avez vu là, cette ombre? En regardant ensuite la vidéo au ralenti, nous avons pu apercevoir que l'on distinguait clairement le soldat de la guerre de sécession dont nous avait parlé le guide. Bonjour à tous et bienvenue en direct de South Laukis pour le 248e World Series Tournament Championships du Jenga. Je suis Karl Weber et vous m'envoyez très heureux de vous recevoir. Avec moi, en courtside, l'expert et le double champion du monde, Jonathan de Société. Bonjour Jonathan. Bonjour Peter, très heureux d'être avec vous pour vivre ce match aujourd'hui. Super, passons tout de suite à la présentation des deux athlètes de ce soir. Et dans le coin bleu, aujourd'hui, nous retrouvons le redoutable lituanien Ignas Ravensburger, qui compte bien aujourd'hui remporter le titre à nouveau. Alors que dans le coin rouge, nous retrouvons la très prometteuse Anna. C'est pas possible encore une fois au ski. La Tchèque qui compte bien repartir avec le titre. Passons tout de suite au spectacle. Oh super ce mouvement de Anna, ce backspin splot qui pousse dans les cordes le lituanien. Quelle partie, mes amis! Voilà, on retrouve tout de suite Jonathan en courtside. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Jonathan? Quel match que de rebondissement! Qui aurait cru, qui aurait osé parier sur une victoire de C'est pas possible en Antonin Kowski face au joueur lituanien qui jouait pourtant à domicile? C'est tout simplement pas croyable. Alors, oui, on a la chance d'avoir avec nous l'ex-entraîneur de la sélection de jeux de bois de Vernier, Michel Kapla. Michel, votre analyse? Ah, bah écoutez, je suis un peu abasourdi. Vous attendez pas un tel animal, tremblement, il y a chute dans la défaite. Super Michel, merci pour cette analyse. Peter, c'est à vous. Encore une magnifique après-midi grâce à Jenga. Qui aurait dit que des petits bouts de bois comme ça nous permettaient de vivre tant de choses, hein? Allez, une belle après-midi. À vous les studios. Pas la peine de t'acheter des parfums qui coûtent cher. Utilise ce parfum de fleurs d'oranger pour te souvenir de l'odeur des arbres, des petites fleurs. Hein, tu te souviens, à une époque, quand on sortait, que ça sentait bon, tu pouvais sentir les petites fleurs et la liberté. Parce que là, on est dans la merde, on est d'accord, on est dans la merde. Bonjour, je suis le docteur Alfred, de l'Institut Alfred. Oui, c'est le mien. Les jeunes hommes de nos jours perdent de plus en plus vite leurs cheveux. C'est ce qu'on appelle la calvitie. La gélule Touffe 3000, testée en laboratoire, est la plus efficace actuellement sur le marché et elle est garantie sans effet secondaire. Oh, merci l'Institut Alfred! Ceci est un médicament non autorisé et il n'y a pas de notice d'emballage. Premier rendez-vous Tinder au confinement, je suis excité. Bon, elle m'a donné rendez-vous par ici. Valentine ? Ça tourne. Ah pardon. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur InfoCoco, votre chaîne d'information du corona. Virus. Le pape himself a décidé d'absoudre de tous les péchés tous les catholiques qui sont contaminés. Oui, je m'adresse à toi Jean-Michel qui était au JMJ cette année.
été l'année dernière au JMJ avec ton amie Nathalie, rappelle-toi. Nathalie. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors Jean-Mi, toi-même qui étais... Chut. C'est pas de l'eau. Jean-Mi. Jean-Mi, je suis m'assise. Nathalie, mon amour des GMG. Les péchés, y a plus, c'est fini. La masturbation en cachette, tout ça dans ta chambre. Jésus, fais comme c'est le feu, j'ai rien vu parce que t'as le coco. Viendras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Il faut regarder les messes en ligne. Il faut aussi lire la Bible 30 minutes par jour. Nathalie, ne dis pas non, merci. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Au revoir. Et hop, vous. Restez chez vous! Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin météo du Caustic pendant la période de confinement. À prévoir la semaine prochaine, lundi, plutôt pluvieux. Faites attention, surtout ne sortez pas chez vous, vous risquez vraiment de prendre cher. Heureusement, nous annonçons quelques belles éclaircies pour la fin de semaine. Profitez vraiment du soleil et de se protéger pendant cette période de confinement et surtout ne sortez pas chez vous. Nous arrivons sur jeudi une journée plutôt pleine de rebondissements et de brasses de vent. Vraiment, attention, ne sortez pas chez vous, j'enferme mon micro. Et pendant toutes ces perturbations météorologiques, nous vous souhaitons vraiment de rester à la maison et d'en profiter pour vous cultiver avant tout. Mets-toi mon chéri derrière ton écran, tu peux m'appeler José. Alors mon chéri, c'est parti. Ce soir, on va faire la caipirinha. Des secondaires. Tout coupon 2, tout coupon 2, tout coupon chrome 4, tout sucre, tout carbe. Et tu mets beaucoup, beaucoup. Tu mets un tiers de cachet, hein. Un tiers d'eau. Deux tiers d'eau, pardon ma chérie. Tout tasse, tout tasse, tout tasse. Qu'est-ce qui manque ma chérie? On nous paye. Erreur. C'est une pièce. Plus de paille. Et ma planète, tu penses ou quoi? Allez, on dégouste. C'est dégueulasse. Sit down. Johan, have a seat. Ouais, par contre, Johan, ça suffit aussi. Hein. Pas. Depuis quand tu fumes? That's not the question. Johan, I know everything. Yeah, I know. You were in Lombardy? Lombardy. La Lombardie, en Italie. Ah ouais, mais ça, c'était il y a 2 ans, ça. That's not the fucking question. Then you move to Switzerland, and then we are in this situation. Quoi tu parles, Bruno? Don't fuck with me. I know everything about you. I know where you live. I know your family. Ça c'est normal parce qu'en fait on est voisins. Nos jardins se touchent. Ah, d'ailleurs mon père est juste là. Johan, don't fuck with me. You don't fuck with the Peaky Blinders. Non, par contre on dit Peaky Blinders. Comment? Genre c'est plus Peaky comme Peaky. Peaky Blinders. Très bien. Ok. Eh, mais ça sent la clope ici, hein? C'est quoi ça? Bruno!